Aujourd'hui, direction plein sud. Après 30 minutes d'autoroute, 40 minutes de chemin de terre, nous devons encore marcher. Santiago tient à me montrer le campement qui a servi de base lors de la première exploration du système Tuxupacha. C'était il y a plus de 15 ans. Le camp est particulièrement bien aménagé. Différents abris qui seraient autant de refuges pour la nuit que pour préparer chaque jour d'exploration. Un coin pour le feu et même une cuisine. C'est dans ce même campement que nous allons préparer nos plongées. J'ai imprimé les cartes de la région avec les données GPS des deux cénotes. Sur la photo, on ne peut pas distinguer les entrées à cause de la jungle, mais j'ai quand même déterminé la distance qui les sépare. Toi, quand t'es venu plonger ici, t'avais pris des informations. J'en ai quelques-unes en effet. Il y a beaucoup de passages et une multitude de lignes qui pourraient nous intéresser si on veut réussir à effectuer la connexion entre les cénotes Naitucha et Tres Estrellas. Ça veut dire plusieurs possibilités. Eh ouais, et le but du jeu aujourd'hui, c'est de trouver la bonne. Donc il faut prévoir plusieurs tentatives, essais, erreurs, sauts de ligne, intersections. On va jouer du spool aujourd'hui. Ça semble complexe. Pourquoi tu veux faire ça? La semaine dernière, le propriétaire des terres m'a montré trois cénotes vierges qu'ils viennent découvrir, juste au nord-ouest, entre ces deux cénotes. Si on veut connecter ces nouvelles cénotes au système déjà connu, on doit commencer, à mon avis, par prendre la topographie de cette traverse. Intéressant. Pendant la traverse, il va falloir rester attentif au départ de galeries inexplorées sur notre gauche. Et si on regarde un petit peu les données, on verra que ces cénotes devraient se trouver en amont du courant. Donc, tout passage avec du courant qui s'en va vers le nord-ouest peut être une possibilité. La première phase du projet d'aujourd'hui, c'est la reprise du topo de cette section déjà explorée. Il s'agit d'un travail très minutieux qui demande beaucoup de calme et de précision si on veut éviter les erreurs. Chaque amarre de la ligne sera considéré comme une station. Pour chaque station, la distance sera mesurée grâce aux nœuds placés à intervalles réguliers sur la ligne. L'orientation sera mesurée grâce à la prise d'azimut sur un compas de précision. Finalement, la profondeur sera notée afin de déterminer le profil de la grotte. Chaque point d'intérêt sera alors marqué sur la ligne. C'est un exercice qui requiert un grand contrôle ainsi qu'une bonne maîtrise technique. Oh, les moustiques vont finir par nous tuer! Bon, allons voir comment est l'entrée de Naitucha. Santiago m'a dit que l'entrée était difficile. C'était un trou dans le plafond. Alors j'ai amené mon matériel escalade, on va faire un peu de rappel aujourd'hui. J'ai hâte de voir si ça va être difficile ou pas. C'est ici l'entrée? Ouais, c'est l'entrée Tres Estrellas ici, l'entrée principale. Génial! Pas mal, non? Ah, ça fait haut quand même! Ah bah je t'avais dit, hein? Tu penses qu'il y a quoi comme grosso modo? 7 mètres, 8 mètres. Bon, tu penses que ça va aller? Ça va aller, c'est sûr. Ouais, l'entrée est propre là. Tu vois, à mon avis, on pourrait fixer la corde ici pour descendre droit directement dans l'eau. Ouais, la corde attachée ici ou la corde attachée à cet arbre là? En effet, pour moi, tu fixes peut-être raison, ouais. Pas de problème. Ok, ben je passe premier. Pas de problème.
Amuse-toi bien. Oh, t'es bon, Étienne ? Bon bah, heureusement qu'il aime bien l'escalade, parce que sinon je pense pas qu'il aurait vraiment aimé notre petite blague. Venez voir. Car en fait, c'est quand même beaucoup plus pratique d'utiliser l'escalier. L'escalier a été installé à l'époque de l'exploration de Gunnar. Il faut voir qu'au début, l'exploration se réalisait dans le trou, comme est en train de descendre Étienne en ce moment. Bon, quand même, t'aurais pu me le dire qu'il y avait un escalier. Ah, ça, j'avoue, hein, c'est plus simple. N'empêche que t'es beau vu de là-haut. Bon, blague à part, comment on s'installe ? Allez, on va aller voir de l'autre côté. Ça a été plusieurs heures de préparation, mais enfin, on s'en va plonger. C'est 300 moustiques et 30 degrés Celsius plus tard. On y va. Finalement, les derniers préparatifs avant la plongée. Le plancher de la cénote est fait de matière organique en décomposition et de glace. Pour ne pas brouiller la visibilité, on tente de bouger le moins possible. On a choisi d'utiliser une configuration side mount pour pouvoir plus facilement explorer les passages les plus étroits. Dernière vérification. OK, on est prêt. Regardez ça, une très belle surprise en cours de route. On trouve une mâchoire qui devait appartenir à une sorte de gros cheval. La grotte est très peu profonde, comme on s'y attendait. Et bien sûr, les décorations sont à couper le souffle. Bien entendu, on ne pouvait s'empêcher d'explorer les passages étroits rencontrés en cours de route. Un terrain de jeu idéal pour la configuration Sandman. Et on continue à chercher la connexion.
Naitucha. Yes! C'est réussi! Au travers de ce labyrinthe de lignes et de passages, on a finalement trouvé le chemin d'une cénoté à l'autre.